Salut les matelots, bienvenue sur la chaîne du Captain Cook. Aujourd'hui, nouvelle dégustation d'une bière de la brasserie du Renard. Donc c'est la Coop. C'est une ambrée amère. Ce que ça donne. Alors pourquoi la coop? Ça c'est assez intéressant. Tous les houblons sont avec. Donc c'est une brasserie coopérative. Et en fait ce sont des gens qui ont planté du houblon chez eux, dans un petit espace, que ce soit un plant, deux plants ou plusieurs plants. Et ensuite la brasserie va récolter tous ces houblons et brasse avec des houblons. Donc 100% naturel et 100% local. Donc je trouve la démarche très très sympa. Un gros pot de fleurs suffisent. Par contre ça prend assez bien de hauteur. Donc faut compter une façade de maison quoi, plus ou moins. 5 mètres, 6 mètres, je crois que ça peut aller tout en haut. Donc voilà un peu pour cette bière-ci. On voit qu'elle est ambrée, mais pas trop non plus. On sent bien le côté houblonné, pas trop l'alcool. La mousse est quand même redescendue assez rapidement, mais on voit qu'il y a un petit col de résistance. Vraiment bien je trouve parce que c'est entre la limite de l'IPA et d'une bière où on a un côté quand même aromatique du houblon. Non, elle passe très très bien. Très bon. Par contre, ce que j'ai vu, j'avais tendance à faire, et je vais un peu essayer de rectifier ça, c'est de pas tout de suite boire la bière une fois qu'elle est sortie du frigo, parce que une bière trop froide camoufle un peu tous les goûts, donc faut la laisser aller 5 petites minutes le temps qu'elle se réchauffe un peu, ce qu'ici préconise combien je l'avais vu 6 à 8 degrés. Donc voilà, juste un petit peu, ou ne fût-ce dans le verre, l'ouvrir et laisser se réchauffer dans le verre. Le col se reforme bien. Donc on a ce côté, les saveurs c'est plus salé amer, mais pas trop. L'alcool on le ressent pas trop en bouche. Même si elle titre à ouais, 5,5, donc ouais, c'est logique. Ça se laisse boire tout seul. Et en rétro olfactif, on a aussi bien cette amertume et ce côté houblonné qui reste. Donc, très très intéressant. Ouais. Je lui mets un bon 7,5-8. Pourquoi? Parce que je redécouvre réellement, enfin j'apprécie réellement la saveur de l'amertume, qui est une des 4-5 saveurs qu'on a sur notre langue. Et voilà.
N'hésitez pas donc à goûter cette bière, likez, partagez et dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà goûté, si ça vous intéresse vous devenir coopérateur et d'avoir un plan de houblon. Après je vous avoue que je ne sais pas très bien encore comment ça fonctionne. Si c'est en étant coopérateur, donc c'est-à-dire en mettant des parts de 200 euros dans la brasserie, ils vous fournissent un plan et puis ils récoltent là-dessus, ou bien si vous êtes rémunéré par rapport à vos récoltes. Mais en tout cas, moi ça pourrait m'intéresser aussi. Donc mettez dans les commentaires si vous êtes intéressé et vous avez un peu d'espace chez vous. Donc moi je serais même prêt à racheter la production de houblon. Bon, en sachant qu'il faut peut-être quand même, c'est un investissement, il faut peut-être 2 à 3 années avant que la plante soit productive. Mais bon, voilà. Allez, ciao, ciao, à plus.